Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match. C'est parti entre l'équipe de la France et l'équipe de la Biélorussie. Une équipe qui a été très très difficile hein, pour l'équipe du Portugal, l'équipe biélorusse. Mais c'est pas grave, on va voir le match complet. Ici à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc voilà, Olivier Deschamps a décidé donc à ce cas à mettre sa compo la plus totale, la plus complète. Il a regardé un petit peu effectivement le résumé du match entre l'équipe du Portugal et l'équipe de la Biélorussie. Ça a été très très difficile, hein, je vous rappelle, entre l'équipe portugaise de Cristiano Ronaldo et la Biélorussie, mais ils ont quand même gagné. Et donc tout de suite les hymnes, celui d'abord de la France. L'hymne français. Malheureusement, on n'aura pas l'hymne biélorusse. Donc voici la compo de la France avec Yoyoris, Varane, Umtiti, Pavard, Benjamin Mendy, on aura Mesmatudi, Griezmann, Mbappé, on aura Giroud, bien évidemment Paul Pogba, Pavard, comme j'ai dit, 4-2-3-1 pour la compo de Deschamps. Et aussi la composition de la Biélorussie. Bon, j'ai pas les noms pour l'instant, je dirais au fur et à mesure. Du match, en tout cas, c'est à 4-2-3-1, elle aussi. Et donc, on est parti ici dans ce match entre l'équipe de la France et l'équipe de la Biélorussie, pardon. L'équipe française qui a, je vous rappelle, un point, qui a fait match nul contre l'équipe allemande. Kylian Mbappé, la frappe de Kylian Mbappé, alors en direct celle-là. Ouais, sublime frappe là de Kylian Mbappé. Pleine poteau rentrant et on n'a même pas eu le temps de s'asseoir qu'il y a déjà eu le but. Le premier dans ce match. Ça allait tellement rapidement. Pleine poteau rentrant. Frappe très lourde. Très très lourde de Kylian Mbappé. À deuxième minute de ce match déjà. La frappe, l'arrêt du Goyori, ça va très rapidement. Ça va très rapidement à les deux côtés. La Biélorussie qui s'est fait avoir. Mais qui va directement en attaque. Hein. Regardez-moi ça, magnifique ballon long. La Biélorusse. Puis l'arrêt sublime de Goyoris, capitaine français, évidemment. Martinovic, le ballon qui du coup est éloigné avec Lapse. On a Raphaël Varane qui va très rapidement en attaque. Ouais. Non,
Olivier Giroud qui s'est fait totalement l'avoir. Il pensait avoir la balle, mais pas du tout. Kizvlak. Attention le ballon, ouais. Non, mauvaise passe là de Paul Pogba. La pioche qui du coup perd sa balle. Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Giroud, le poteau magnifique encore une fois. Le même que tout à l'heure. Le même que celui de Kylian Mbappé. Olivier Giroud qui lui est marqué. Déjà 2-0. 2-0 à peine 6 minutes de jeu. Ça fait déjà beaucoup hein, pour la Biélorussie. On va le revoir, magnifique. Hein. À la Nacho, là, il nous a fait une Nacho Fernandez, Coupe du Monde 2018. France-Portugal. Très clairement, c'est magnifique. Croisé, hein, plus ou moins, en plus. Je pensais qu'il allait la mettre premier poteau, mais pas du tout, second poteau. Et donc c'est parti, 2-0 ici. Après 6 minutes de jeu, bah écoutez, ça va rapidement, hein, ça va très rapidement. Avec l'équipe de France, j'en attendais même pas moins. Ouais, effectivement, il y avait un tacle, monsieur l'arbitre qui va sanctionner, c'est du coup pour l'équipe biélorusse. Les champions du monde 2018. Deux ans après, peuvent-ils remettre le truc de champion. À nous de le voir. Donc il sort. C'est du coup pour l'équipe de France avec Hugo Lloris. Ouais, Lloris décide de faire court hein, sur Varane. Varane, Pavard. Pavard, magnifique passe sur Kylian Mbappé. Sur le ballon récupéré avec Kizvlak. Rios, Grégoire, il se magnifique balle là pour Pavard, Benjamin Pavard. Benjamin Pavard sur la ligne tout juste hein, le ballon qui a flirté avec Umtiti. Voilà. Mauvais ballon là de Samuel Umtiti. C'est du coup récupéré avec Benjamin Mendy. On a Blaise Matuidi avec Antoine Griezmann. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ça peut faire but. Oh, encore un but magnifique du joueur parisien. Et voilà, encore un but doublé d'ailleurs dans ce match pour Kylian Mbappé. Ça, comme j'ai dit, hein, je vais pas arrêter de le dire, mais ça va très très vite. Les joueurs biélorusses qui ne comprennent absolument rien à ce qui leur arrive. Et ce, depuis la 10e minute de jeu. C'est un plus petit pont, limite. Et puis, hop, la frappe, forcément, Kylian Mbappé ne rate jamais. Ce genre de frappe. Enfin, il ne rate surtout très rarement. Et donc voilà, on est parti 3-0 ici, 3 pour l'équipe de France, 0 pour la Biélorussie. Quoi de mieux que terminer une seconde journée que de gagner quand même très très bien. Effectivement, l'équipe de France, il y avait un petit peu peur au début de cette UEFA Euro 2020. Et décidément, ça enchaîne. Nouveau but ici, Olivier Giroud, qui lui aussi marque un doublé. Ah, ça fait beaucoup trop dans une seule période. Pour la Biélorussie qui ne comprend rien comme j'ai dit. Le Portugal qui je vous rappelle va jouer contre l'équipe allemande. Effectivement sublime frappe là. Et voilà Giroud qui marque du coup son doublé.
L'équipe de France qui n'avait pas marqué beaucoup de goals hein, en... dans le premier match, à moins que je pense que ça s'est terminé 2-2, enfin je sais pas exactement. Mais je pense qu'il n'y avait pas eu énormément de goals. À mon avis, ici, c'est sûrement une espèce de retournée. Et le corner pour l'équipe biélorusse, enfin pour l'équipe de France, pardon. Griezmann. Oh, la tête est sublime. La tête sublime pour Outar. Griezmann qui a rejoué, je vous rappelle, l'équipe du FC Barcelone. C'était ce week-end entre le Villarreal et l'équipe du Portugal. Et en tout cas, bah, ça s'est très très bien terminé car Antoine Griezmann a marqué un but dès le début de son retour parmi les 11 de départ de l'équipe barcelonaise. La frappe, attention, c'est pas fini. On repart tout de suite avec Niakeychouk. Benjamin Pavard, le ballon qui est du coup pour l'équipe française toujours avec Kylian Mbappé. Mbappé, le ballon pour Niakeychouk. Ballon bien récupéré là par l'équipe française. L'équipe des Bleus. Une belle talonnade là d'Olivier Giroud sur Mbappé. Mbappé sublime pour Pavard, il y a quelque chose à faire cette fois-ci. Oh, attention, le tac sur Pavard, monsieur l'arbitre qui ne sanctionne pas. Qui l'a joué. Griezmann, le ballon pour du coup N'Golo Kanté. Sublime passe là. Raphaël Varane, joueur merengue. Oh, frappe sublime du joueur Blaugrana, Antoine Griezmann. Giroud, la frappe magnifique de Giroud, sublime, second poteau, Giroud. Et son triplé aujourd'hui. Ah, cette frappe sublime, cette frappe, c'est celle de cette deuxième journée. Et donc voilà, Olivier Giroud qui fait extrêmement mal là, au gardien biélorusse. On va le revoir cette sublime frappe. Regardez-moi ça, magnifique. Voilà le gardien. Même moi, même nous, on ne savait pas si c'était dans le goal et ce ballon qui nous a largement impressionné. Et voilà, 5-0, décidément, ça enchaîne énormément. Les buts pour l'équipe de France qui font extrêmement mal. Ce ballon. Avec Griezmann, le ballon perdu. La pseu. Excusez, j'ai un petit peu chatouille. Avec un Mbappé. Giroud. Pavard. Oh non, le ballon récupéré pour l'équipe biélorusse. La pseu. Niakeychouk. La balle qui est à côté du goal, pas loin du tout. Dommage, alors pour l'équipe biélorusse, ça aurait pu leur faire un petit peu de bien. Même si bon, 5-0, ça fait déjà extrêmement mal. Hein. Ça fait extrêmement mal. D'ailleurs, en une période, ça fait mal. Le ballon pour Hugo Lloris. On voit finalement, on passe pour Raphaël Varane. Pavard. Pavard pour N'Golo Kanté.
magnifique récupération de balle pour Kylian Mbappé. Wow. Ils ont tout juste récupéré. Hein, Biélorusse. Perte de balle par contre pour l'équipe de France. Gaïchik. Haleb. La Ptse. Ballon peut-être pour Goyoris. Goyoris. Varane. Paul Pogba. Kanté. Ouais, hors-jeu, effectivement, hors-jeu pour l'équipe biélorusse. Sur ce centre, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a largement le hors-jeu, hein, je trouve. Enfin, largement. Pas exactement largement, mais quand même pas mal. Pavard. Ouais, non, mauvaise passe à de Benjamin Pavard. Il pensait pouvoir peut-être faire. Je sais pas ce que c'était, mais. Ballon pour Savitsky. Pavard, le ballon avec Kylian Mbappé. Benjamin Pavard. Mbappé. Le sang d'Mbappé, c'est pas passé loin du tout. Cette balle. Pavard. Et le ballon qui va sur le gardien. Rayos. Kislav. Le ballon pour Pavard. Benjamin Pavard. Antoine Griezmann. Le ballon avec Benjamin Pavard. Le ballon, la tête d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui est sur la barre. C'est pas fini, c'est pour Mbappé. Mbappé avec peut-être Giroud. Non, le ballon pour Rios. Perte de balle côté français. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. C'est même récupéré. Donc Mbappé, ballon peut-être, oui. Ballon récupéré par Kylian Mbappé. La mobilette qui a encore fait des siennes aujourd'hui. Kaïchouk, Kislak, l'espace à deux, Antoine Griezmann. Attention, Servi qui laisse jouer. Il y avait un petit tacle, mais ça laisse action. Le joueur biélorusse, attention. Baldzico. Kaïchouk. Non, 2 minutes de temps additionnel avant la fin de cette première période ici. Bon, la reprise biélorusse. Ce ballon qui est finalement intercepté par l'équipe française. Et voilà, fin de cette première période, 5-0, qui fait très très mal à l'équipe biélorusse. Un triplé d'Olivier Giroud et un doublé de Kylian Mbappé. On a réussi à faire déjouer les plans en biélorusse. Donc voilà, première période qui s'achève du coup ici, regardez-moi ça, tous les buts. 2 minutes, 6 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 24e minute. Et puis plus de but jusqu'à la mi-temps. En tout cas, c'était exceptionnel. Première période sublime pour l'équipe de France. On est parti tout de suite pour la seconde période. Seconde période qui reste encore à jouer. Hein, donc rien n'est fait du tout. Peut-être que la Biélorussie va nous impressionner hein, comme elle nous l'a fait face à l'équipe portugaise. On ne sait pas. Récupéré pour Goutard.
Il y a le tacle, le monsieur l'arbitre qui ne branche pas. Là-dessus. Là-dessus toujours. Sur le tacle français, on a Niakaïchouk. Ballon récupéré sans problème pour l'équipe française. Sivaku. Kizvlak. Là. Ouais, donc coup franc pour l'équipe biélorusse, effectivement, là. Samuel Umtiti qui essaye de parloter un petit peu avec l'arbitre. De discuter. Et de trouver un accord, mais aucun accord sera mis, hein, forcément. Quand il y a faute, il y a faute. Effectivement, là, le tech de Samuel Umtiti qui est largement inégal. Niakate, la défense de l'équipe de France. Qui est présente, c'est du coup le corner pour l'équipe biélorusse. Voilà, là, il y a des petites frayeurs côté français. Commence à se faire peur. Martinovic qui du coup tire le corner. Voilà, ballon. Encore un corner pour la Biélorussie. C'est pas fini, c'est pour Martinovic. Le corner toujours. Parce que c'est pas fini. Niakate, voilà, l'arrêt magnifique qu'il a de Hugo Lloris. Il a jailli pour récupérer cette balle. La touche côté biélorusse. Voilà, le tacle sur la frappe. C'est pas fini, Olivier Giroud. Giroud qui jaillit pour Benjamin Pavard, Benjamin Mendy. Reprise qui aurait pu faire battre de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, la reprise. La reprise d'Antoine Griezmann qui s'envole largement au-dessus. Il peut être un renvoi sinon. Changement pour l'équipe de France. Encore, on nous annonce un petit changement. Effectivement, c'est Nabil Fekir qui va rentrer à la place de Benjamin Blaise Matuidi. Valatsko. Haleb. Le tac sur Haleb de la part de Griezmann. Ouh, attention, monsieur l'arbitre qui peut sanctionner. Oh, attention, Olivier Giroud qui est tout seul. Il est un petit peu mort là, il est pris du physique dans la tête. Savitsky. Kivslav. Attention, récupération de balle pour l'équipe de Biélorussie. Perte de balle là pour l'équipe de France. Décidément, l'équipe de France qui est un petit peu en difficulté là sur ce début de seconde période. Ou le tacle, monsieur l'arbitre qui laisse. Ouais, non, je vais dire qu'il laisse jouer. Non, absolument pas. Il laisse quand même le tacle, effectivement. Tacle largement dangereux. Attention, c'est pas fini. Ce ballon, le tir sur le poteau, c'est pas fini. Il n'y a pas VAR. Haleb qui récupère la balle, attention, il y a beaucoup de pertes de balles hein, pour l'équipe de France, beaucoup de déchets dans cette seconde période. Je ne sais pas si ce sont les. Les informations de Didier Deschamps, si c'est le cas. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment bien ou pas. Fekir, le ballon, la frappe de Fekir. Cette balle qui s'envole au-dessus. Il
Nabil Fekir qui avait tiré. Et c'est largement au-dessus. On a cru une récupération de la France. Une interception. Il y a Kaïchouk. Benjamin Mendy. N'Golo Kanté. Mahuski. Sur les tacles, sur l'arbitre qui a joué. Avec Mbappé. Attention, Rios qui peut renvoyer, qui peut remiser vers le milieu de terrain. Valatsko. Ou le tacle, l'arbitre qui va sanctionner. Carton jaune, effectivement, pour N'Golo Kanté. Effectivement, là, le tacle, Monsieur Orbit, il ne va pas le laisser passer. Poutsia, Halem, changement pour l'équipe biélorusse. Et la frappe, le but. Le but, effectivement, pour la Biélorussie. Le premier dans ce match. Il fallait s'y attendre. Il fallait effectivement s'y attendre. Là, l'équipe biélorusse qui était à fond depuis le début de cette seconde période. Et effectivement, ça a payé. Là, on peut voir action but. Qui fait très très mal, effectivement. Donc voilà, il y a Kaïchouk qui du coup marque. Changement annoncé, Olivier Giroud, Florian Thauvin. Changement annoncé, à mon avis, ça veut plutôt faire un changement tactique. Je préfère mieux mettre Antoine Griezmann en pointe que de mettre Olivier Giroud. Et on va refaire descendre Florian Thauvin un cran. On va faire descendre en 9 au lieu de le mettre en 10. Thauvin. Nabil Fekir qui est toujours là. Ouh, ballon perdu, c'est pour du coup tard. Ça nous fait donc 5-1. Nabil Fekir, le tac peut-être sur Fekir. Le service qui ne branche pas. Attention, le tir de Thauvin. Ouais, elle est sublime ça, hein, de Nabil Fekir. Cette petite levée de balle là. Gardien biélorusse qui est assez content de faire son arrêt. Changement annoncé, Savetsky. Stasevich plutôt. La tête de Nabil Fekir qui vient... concrétiser encore un but. Et voilà, Nabil Fekir. Ça fait donc 6-1. Ça fait énormément de but. Et donc voilà, 6-1 dans cette rencontre. Encore un but qui vient crucifier l'équipe biélorusse. Hein. Et
voir le geste de Nabil Fekir là. Et donc voilà. Au total 6 à 1 dans cette rencontre. 6 goals pour l'équipe de France, 1 seulement pour l'équipe biélorusse. Récupération pour l'équipe biélorusse, justement. Rios. Et donc voilà, le tacle, monsieur l'arbitre qui va revenir à la faute. Carton jaune, doublé peut-être pour Samuel Umtiti. Ah non, c'est le premier but, c'est le premier carton, pardon. J'ai cru que c'était sur le deuxième carton rouge, sur le deuxième carton jaune, pardon, à Umtiti, mais non. En tout cas, ça devient un très très beau coup franc, hein, vraiment, à un millimètre du goal. Oh là là, Niakaïchouk, qui était à deux doigts de le mettre, hein, celui-là. Ça nous fait du coup corner. Donc, j'ai dit rien n'est fait du tout. Là, les coups francs qui s'enchaînent. Cette fois-ci, le corner. Ouais, magnifique. Benjamin Pavard qui peut lancer Florian Thauvin. Kylian Mbappé. Mbappé. Oh, j'ai cru le 7ème but là. Le triple de Kylian Mbappé dans ce match. Tard, qui était un peu à côté du goal. Va la récupérer avec Fekir. Thauvin. Il s'est fait un peu avoir. Benjamin Mendy. Mendy avec Umtiti. Kanté. Voilà. Kizvlak. Savitsky. Oh! Oh là là, l'autogol! Oh, l'autogol, il est magnifique celui-là! Et l'autogol! N'Golo Kanté qui pensait la remettre à Hugo Lloris. Et ils se sont pas. Ils se sont pas bien parlé là. On va voir tout ça, regardez. Ah ouais, voilà, ouais, là, N'Golo Kanté qui pensait la remettre littéralement à Hugo Lloris. Et puis, ouais. Lloris qui n'a même pas. Qui pensait même pas qu'il allait la remettre. Ah, mauvaise entente entre le joueur et le gardien, c'est pas grave. En tout cas, ça reste toujours 6-2. Ou autant sur le tacle, monsieur l'arbitre qui ne bronche pas. On en a eu des bouts, hein, des autogoles dans cette UEFA Euro 2020. Mais pas des autogoles comme ça. Hein. Wow. On va le récupérer, on va voir pour qui. Pour l'équipe de France. Pas fini, Kylian Mbappé. Stasevic. Kivslav. Pucia. Balle récupérée, cette fois-ci pour l'équipe de France, avec Kivslav finalement. Réception côté biélorusse. Là-dessus. Au dessus le tacle, monsieur l'arbitre qui laisse l'action se faire. Il y a une grosse frayeur là côté française.
En plus, il y avait un tacle vraiment dans les jambes, même pas sur le ballon. Là-dessus, qui était vraiment de voilà, marqué. Carton jaune, effectivement, pour Raphaël Varane, forcément. Il n'y a pas eu coup franc, mais il y a eu quand même le carton. On va le revoir, hein, tout ça. Ouais, c'est vraiment le tacle pour faire mal, pour déstabiliser. C'est du coup pour Hugo Lloris. Oh, attention, le tacle de Samuel Umtiti qui, je vous rappelle, a eu déjà un jaune. Un carton jaune, attention, c'est pas fini. Florent Thauvin. La frappe, le but. Oh, sublime. Oh, sublime celui-là. Signé Florent Thauvin. Et le joueur biélorusse, je ne sais pas s'il est revenu sur cette pelouse. Cette frappe magnifique de très très loin et en pleine puissance. Décidément, on en aura vu de très très beaux buts aujourd'hui. L'équipe de France, ouais. Magnifique, regardez-moi ça. Est-ce qu'on le carme? Et on est reparti, 7-2, 7 pour l'équipe de France, décidément, 2 pour l'équipe biélorusse. Cumul du goal average, ça va nous faire 5 buts au total pour l'équipe de France. Parfaitement, forcément, ça fait le but, je sais pas si vous le savez. Là. Oh là là, décidément, non. Encore un but, et c'est pas fini du tout. Antoine Griezmann, qui du coup vient marquer son premier but. Grisou. Vient du coup nous marquer encore un but magnifique. Ouais. Numéro 7 de l'équipe de France, joueur Blaugrana. 8-2 au total. 4 minutes additionnelles. La sentence y est irrévocable. Hein. En tout cas, là, je pense que c'est fini. Moins qu'il y ait un grand, grand miracle. Oh, magnifique arrêt. N'empêche, le gardien. Kivslav. Sivaku. Utsia. Et voilà, fin de cette première période. De cette seconde période, pardon, 8-2. Et voilà, ça fait extrêmement mal. L'équipe de France qui s'est faite vraiment plaisir aujourd'hui. Face à l'équipe biélorusse qui n'a marqué quand même que 2 goals. C'est déjà pas mal, hein. Marquer 2 goals contre l'équipe de France, c'est exceptionnel. En tout cas, voilà, au total de la possession. Un petit peu de tout, hein. Les tirs, les fautes, les hors-jeux, enfin, bref. Toutes sortes de paramètres. Donc ouais, bien évidemment, voir, mettre sur pause. Et donc, voilà. Fin de ce match ici, de cet avant-dernier match. De cette deuxième journée. Après, bien évidemment, il restera le fameux gros match entre l'équipe du Portugal et l'équipe d'Allemagne. On va avoir un feu de compétition, donc phase de groupe. Voilà, la France qui est devenue première. Regardez-moi ça, les buts. Buts placés, 9. 9 buts placés. Le Portugal, 5. Si 5 points de différence entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal.
On va se retrouver tout de suite pour tout de suite pour le match entre l'équipe du Portugal et l'équipe d'Allemagne. Salut à tous.